Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Urtug The Desolation. On se retrouve avec notre équipe, donc toujours Bionpi et Vaillant. On a Squash qui nous rejoint, grâce à un viewer que je remercie. On était en train de se préparer à gérer les Bounty Hunters. Ils sont quand même 12, hein, donc deux fois plus nombreux que nous, c'est pas ça que je voulais faire. Normalement, on est à peu près bien équipé. On a Gakkar qui a récupéré une Viridium Sword, puisque j'ai vu que l'assassin qu'on avait eu, je sais plus quand, le Scavenger assassin là, avait une Viridium Sword, donc du coup je l'ai filé à Gakkar, ce sera plus sympa. On n'a pas nos mecs les plus forts, hein, on pourrait mettre que les plus gros, les level 18 et tout, mais on va voir si on peut gérer comme ça. Au pire, on va sauvegarder et on relancera la partie s'il faut. On va aller sur eux, hein, parce que de toute façon sinon ils vont pas arrêter de nous poursuivre, ça sert à rien d'aller là et de combattre. Donc on va directement leur tomber dessus. Hop là, c'est parti. Alors, on va pas être dans une position défensive forcément ouf, hein. Je passe en QWERTY, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils ont de beau? Alors déjà la bonne nouvelle c'est... Ah non, ils ont deux tireurs, j'allais dire ils ont un seul tireur, mais non, ils en ont deux. Ensuite, on a une position défensive qui se vaut quand même. On va pouvoir envisager d'aller sniper lui et de tanker là. Ici, on va pouvoir tanker un peu, même si c'est pas fou. D'ailleurs, on serait peut-être mieux là, vu qu'il n'y aura que deux lignes de front. On va se mettre là pour avoir une ligne de tir ici. Et Gakkar, bah Gakkar, je suis désolé, tu vas aller tanker un peu, une fois n'est pas coutume, hein, j'ai envie de dire. Alors, ce que j'ai peut-être envie de faire, c'est de mettre lui là pour qu'il surélève cette case et qu'il aille dessus. Et toi, tu jetteras un piège là et après tu iras ici tirer, hein, ça me paraît mieux. Faut se méfier avec eux et leur man splitter. Allez, c'est parti. Alors, vous n'auriez jamais dû être libre. On a été embauché pour terminer la tâche que les autres ont échoué. Préparez-vous à mourir. Bien, bien, bien. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter là. Ouais, je pense qu'on va monter là. On va lui mettre un petit réjuvénation à lui. Est-ce qu'on peut mettre des pièges à un endroit intéressant? Je pense que oui. On peut complètement mettre un piège à pique ici. Alors ça coûte 120 de stamina, on en a 103. Donc si je fais ça, je pourrais pas taper. Du coup, on va plutôt se contenter de aller là. Mettre une marque de l'assassin ici. Et attaquer. C'est parti, ici on surélève. Et on va commencer à taper sur ce monsieur. Alors j'ai même pas regardé ce qu'ils avaient comme compétence, on va regarder quand même. Ici, immobilizing critical, on peut pas le repousser, d'accord, il a engagé une strike. Lui il a rien. Il n'y a pas un autre boss, il y a lui ici. Pareil, Star Wars, Pushing Critical, tiens, intéressant. Bon, ils ont tous Star Wars, ceux qui sont devant, donc on pourra pas vraiment les pousser dans le vide là. Mais on s'y attendait. Ici, on va jeter ça. Ensuite, on va aller ici, un peu loin de lui. Et on va mettre un tir d'arbalète dans les fesses de ce monsieur. Ici, on ne bouge pas, on attend de voir qu'il vienne. Ici, on avance d'une case pour mettre une zone de contrôle là. Et on va protéger ce monsieur. Et ici, pareil, on attend pour l'instant. Ok, il saute. Si ça t'amuse, saute, je t'en prie. Kit Critical Counter-Strike dans sa tronche. Oh, je l'avais pas vu lui, tiens. Je pensais que c'était un lancier. Ok, le shield qui n'a absolument pas marché. Ok,
Donc là on va pas pouvoir aider parce qu'on est trop fatigué, mais c'est pas grave, ça fera le taf. Le man splitter qui se fait intercepter. Ok, lui il marche carrément dans les pics, pas de stress. Alors, on va mettre un petit damage rejuvénation à lui, et je pense qu'on va mettre un last stand sur notre ami Ortuk. C'est parti pour une grosse tatane. Malheureusement, on est trop fatigué pour un ranger de support. On va se concentrer sur lui. En plus, ouais, il est immobilisé, on a un strong VS crippled, c'est parfait. Alors, notre petit assassin, il a moyen de se barrer par là, l'autre con, hein. Donc on pourrait jeter un piège à pique ici, il y a certainement quelqu'un qui va y aller. Ou alors lui taper dessus. On va lui taper dessus. Dommage, il y en avait eu un deuxième coup, ça passait. Ici, on va finir ce premier mec. Voilà, parfait. Ça leur fera les pieds, alors on va aller par là, et on a 100% de chance. On peut donc se faire un petit tir. Ça en fait un de moins déjà. Alors lui il a Stalwarts, non lui il a pas Stalwarts, donc on pourrait le repousser de deux cases. Et ne pas move, ça le repousserait sur les pics, c'est pas mal, on va faire ça. Voilà, comme ça il se prend un petit DPS, moins 62 vitesse. On a toujours notre critical counter strike. En plus on a le long weapon reach qui va aller faire plaisir par là. Et ça nous ouvre le chemin pour aller taper sur les tireurs. Ils en veulent visiblement. J'espère qu'il va pas se faire buter par lui par contre. Non ça va. Par contre effectivement les dégâts c'est la teuf hein. Ouh, ça fait mal ça. Bien fait de poser un petit last stand. Du coup il faut qu'on commence à faire des DPS sur ce monsieur. Sachant qu'ici on va probablement taper là avec Urtuk. Ici on met des tatanes. Oh, on a un bon petit assist là, des familles. Un petit ranger de support. Alors, on a bien récupéré notre vie, c'est parfait. On a moyen d'avoir une autre réjuvénation. On va la poser. Pareil sur lui. Ça fera certainement plaisir. Et là, on va du coup finir ce mec. Le first strike, c'est pas grave. Ah, on le finit pas du coup. Si on le finit avec le saignement, et normalement, on devrait toucher l'autre derrière. Voilà. Parfait. Ici, on gagne un max de vie. J'ai bien envie d'aller jusque là. Pour foutre un peu la merde. Ah merde, je suis engagé. Non bah du coup je ne vais pas le faire. Je vais tenter de finir celui-là. Autant pour moi. Je n'avais pas vu, vu qu'on a une extra attaque, on va en profiter. Et il est mort, voilà, parfait. Bah, notre dernière extra attaque malheureusement ne sert à rien. On va donc patienter. Alors ici, c'est le moment de commencer à se faire plaisir. Est-ce qu'on pourrait pas lancer un petit piège? Non, on va monter plutôt. Ah zut, du coup on a pas une vision claire, c'est dommage ça. Bon, du coup on va aller se mettre là. On va jeter un piège ici. Pff, lui il va certainement avancer vers Urtuk. Et lui il peut pas vraiment passer donc non. On va se contenter de tirer sur les tireurs. Et ici on va avancer là pour les coincer. Hop là. Ok, ils ont percé les armures d'Urtuk, les deux. Ça a piqué, là, lui risque de mettre un coup. Mon splitter. Aïe 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 aïe. Le last stand qui fait le taf. Malheureusement, il récupère pas des masses de vie. Le Angel Pact qui sauve de nouveau la vie. Par contre, on saigne. On risque de crever du saignement. On va donc blinder un peu ça ici. On peut défoncer lui mais ça va ouvrir la porte à d'autres personnes. Pour l'instant on va faire un peu mal à ce monsieur.
ça va ouvrir la porte quand même. Ici, je pense qu'on va aller là, parce que lui, il a envie de s'enfuir. Strong vs Ranged qui fait bien le tough. Un petit Ranged support avec le Strong vs Ranged, et c'est fini. Bah, du coup, dommage, nos extra attaques ne vont pas servir. C'est pas grave, on se met en patience. Ici, on a du renfort qui arrive, très très bien. C'est parfait, ça nous donne l'occasion de taper. Il va mettre beaucoup de saignements par contre, hein, ça c'est un peu dommage. Ici il va nous mettre un man splitter, je pense, ouais. Voilà. Hop, heureusement notre last stand va faire le taf. Du coup on va lui en mettre un, bien sûr, parce que c'est un peu le drame. On va faire un peu de DPS sur ce con, voilà. Toi t'as Stalwart, t'as Stalwart, on va pas le repousser. On va donc se contenter de mettre des petits coups d'épée sur le copain. Hop là. On devrait pouvoir le finir assez facilement. Ah, on a un nouveau coup. Ouais, on va le finir du coup. Même s'il pouvait plus faire grand chose, ça fera toujours un peu de moins de DPS. Ici on gagne de la vie tranquillement. On va activer Shield Ally histoire qu'Erwan se fasse un peu plaisir. On va mettre un Critical Strike à Erwan. Et je pense qu'on va faire du DPS sur lui. Hop là. Et le dernier Critical Counter Strike qui nous restait, qui fait bien plaisir. Donc lui du coup va venir se pointer, parfait, Erwan qui fait le taf. Ah, il nous en reste d'autres des Critical Counter Strike, il me semblait qu'il en a peut-être tout le temps en fait. Ici, on peut aller là. Alors là on est un peu... non, on va être très mal placé si on va se mettre là, donc on va plutôt se mettre ici. Et on a des coups critiques, on a des extra attaques. Ici, on continue de taper là. Ah, on a Man Splitter, donc le range de support est malheureusement terminé, mais par contre on peut se le finir. Voilà, Strong Vest, low HP et tout, ça fait mal. Ok, il a cassé notre casque, pas trop gênant. On va continuer de le taper. Le saignement qui fait deux fois plus de dégâts que le reste quoi. Voilà, là on va pouvoir ouvrir la porte pour aller se mettre dans le dos de ces petits cons. Ici on a un très bon soin, parfait. C'est parti pour taper sur des gens. Parfait. Est-ce que j'irai pas ici? Si j'irai ici, ça laissera la place ici à ce point. Ah, il a pris un petit strike ce monsieur. Attends, du coup je peux plus avancer. Eh ben tant pis, j'ai dans l'os. Oh, il était tellement fatigué qu'il a passé son tour quand même. Ah non, c'est qu'il devait être... Ah merde, je crois que c'était Choupiti qui était sélectionné. D'autant pour moi, ça me paraissait bizarre qu'il passe automatiquement son tour aussi, tant pis. J'aurais dû me reposer, bon, c'est la fin du combat. On va pas non plus trop s'énerver. Alors, hop. Bon, il va crever avant de rejouer lui. On vient là, et on lui met une petite flèche d'arbalète bien placée. Ah, et on a débloqué Mass Killer avec Baptiste, ça c'est cool. Donc, il gagne 35 de vitesse maintenant quand il tue un ennemi, ce qui va lui permettre de jouer beaucoup plus vite. Bon bah franchement, je m'attendais à pire. Hein. On a deux niveaux, on a Baptiste qui a débloqué Mass Killer, ça valait le coup.
Alors, on a débloqué Pushing Critical. Sur une attaque normale, push une cible d'un hexagonal pour 25% des dommages. Ok. Et il faut une lance, une pique ou un bouclier. Ouais, bon, c'est pas fou. Mobilizing Critical, on pourrait prendre Lightfoot. Lightfoot, on en a d'autres à booster, je crois, des Lightfoot. Faudrait que je me note les trucs. Attends, on était transformé en humain, ça on sait. Faudra vraiment que je me note, ouais. Ici, on a une Lightfoot déjà level 4. On a personne d'autre qui a Lightfoot, qui a un Lightfoot. Ah, oui, tiens, d'accord, très bien. Ah oui, non, il a le Critical Counter-Strike, c'est sur tous les blocs, donc oui, effectivement, c'est intéressant. On pourrait lui enlever ça, mettre du saignement, c'est cool, mais c'est quand même pas mal d'avoir un peu de stabilité, de mobilité, pardon. Fast Sinker, ouais. Stalwarts, Ranged Support. Il a deux reliques quand même, hein, le monsieur. 6 fonds de power, le Reflexive Skin qui a quand même plutôt bien fait le taf, le Flesh Eater également. Bah, du coup, on va continuer de booster notre Lightfoot. Ah non, je l'ai donné à Urtuk. On va peut-être plutôt donner celui qui est boosté à Urtuk, parce que Urtuk, mine de rien, sa vie avec sa mutation là, ça prend un peu cher. Hein. Ça prend un peu cher. Bon, bah ça s'est plutôt bien passé. On va pouvoir monter un peu les dégâts de l'assassin et sa vitalité. Et spam la stamina. Hein. Y a pas à chier. Et du coup, bah, on s'en est bien tiré, on va pouvoir aller se faire un petit village, je pense. Alors, il y a aussi eux qui sont intéressants là, mais pour l'instant ils se barrent pas. Ah, on a été transformé en Weirbase déjà. On a quoi? Une Silver Big Axe ou une Rare Steel Big Axe qui est mieux, donc on va lui donner. Hop. Oula, c'est ça que je voulais virer, voilà. C'est parti. En avant. Alors, à quoi ça ressemble? Ouh là là, il y a une quantité de tireurs là, ça va être la merde. On a deux villageois ici, très bien. Un villageois ici, un mec tout seul là. Fait chier, j'ai envie de dire. Mais bon, pourquoi pas. Un mec tout seul là, qui est un peu moins chiant, bien que quand même un peu pas mal. Bah, ils vont avoir envie d'aller taper là-dessus, je crains. Il va falloir qu'on se débarrasse de lui, qu'on se débarrasse de lui et qu'on avance par en bas, mais ça me fait un peu chier pour tous ces tireurs, quoi. On le sait, hein, les tireurs, ils font très très mal. On n'a pas encore récupéré ici. Ok, alors du coup, Spam peut sauter, hein, donc il peut se permettre d'aller un petit, peut-être un peu plus loin éventuellement. Erwan pourrait l'envoyer par là, avec par exemple Gakkar pour s'occuper de ce mec assez rapidement. Ici du coup on mettrait Urtuk et les tireurs. Ouais, ça le ferait je pense. Avec un peu de bol, en se mettant là, on va pas les activer tout de suite. On pourra se replacer après, même si je crains que eux soient suffisamment proches pour leur donner envie d'aller courir dessus, mais si c'est le cas malheureusement, bah on peut pas y faire grand chose. Et rien que là déjà, on est trop loin quoi. Déjà, faute de mieux, on peut leur mettre un petit peu de damage recovery, ça fera le taf. Ici c'est parti, on commence à faire mal au bouclier, en avant. Là, on y va, mais je peux pas sauter parce que ouais, il y a ce truc là devant. Ici pareil, un petit coup. Urtuk en avant. Voilà. Oh, Critical Counter-Strike.
C'est pas très très gentil ça. Spam. On spam qu'on a rien à foutre du bouclier, hein, lui il tape. Rien à branler. Ok, viens se battre, intéressant. Critical Counter-Strike dans ta tronche. Putain, du coup, je peux pas aller assez loin quoi. Bon bah tant pis, on va aller par là. Ouh, ça pique. Ici, on va avancer d'une case parce que ce sera toujours un peu de place de gagner et on va terminer ce mec. Toi, tu vas aller ici pour l'instant. Donc pour l'instant, ils sont pas activés. Hein. Ce qui veut dire qu'on peut par exemple se permettre d'attendre. Après, quand ils seront activés, ils vont commencer à nous tirer dessus. Bah, on va y aller. Parce que normalement, vu qu'on a de l'armure, voilà, on devrait pas avoir de poison. Sinon, ça va les faire sortir. Parfait. Ouh, parfait, en plus ils sont bien alignés là. Alors, on va pouvoir aller dans son dos. Alors, juste avant que on ne rejoue, on va protéger un peu lui, voilà. Ensuite, on va faire notre dernière attaque. Parfait. Alors du coup on a deux mouvements. Est-ce que c'est intéressant d'aller par là? Pas vraiment. Hein. On va attendre Erwan. Alors toi tu viens là et après tu peux sauter sur ce monsieur. Fais donc. Boum. Ok, ça suffit à les activer. Oh, on a des chances de tirer un peu lamentable, hein. On pourrait tirer sur cela. Mais je pense que c'est plus intéressant de faire tomber la ligne de front vite pour pouvoir avancer. Ici, on saute. Hop, voilà. Ici, on va surélever cette caisse pour être un peu en hauteur. Après la question c'est est-ce que je tire sur lui. Je pense qu'on va prendre un last stand parce qu'on a eu, on va se prendre une rafale de tir. On va faire tomber celui-là, comme ça on pourra avancer avec spam sur les joueurs éventuellement désagréables. Ah, ici on commence à souffrir. Ah, toujours notre casque qui est en état. Et ça, ça fait plaisir. On va taper sur lui, vu que derrière il y a du monde. Ça fera un peu plus de DPS. En plus lui a régénération, donc faut vraiment qu'on soit capable de leur faire mal. Ah putain, il vient d'où lui? Je l'avais pas vu, quoi, je l'avais pas vu celui-là. On dirait que les dégâts d'huile ne déclenchent pas la régénération, c'est dommage. Ah, on va commencer à prendre du poison par contre. Alors, deux secondes, t'es qui toi? Flesh Eater, Natural Resistance, Monster Head. Ok, d'accord, donc il y avait un boss dans notre dos. Ouais, ça m'apprendra à mieux regarder. On va aller par là, et on va du coup. Alors, on a un coup critique. On a peut-être moyen. On a peut-être moyen de mettre une nouvelle réjuvénation sur ce monsieur. Hop là. Putain, il a tellement défoncé. Et en plus on aura une autre attaque. On est épuisé mais techniquement on aura une autre attaque. Et là du coup on va pouvoir se faufiler directement dans le truc des tireurs avec Erwan. Ça c'est cool. Alors ici, faut qu'on commence à faire mal à ces petits corneaux. Ok, on a deux tirs et un critique, parfait.
Ah, il s'excite lui. Aïe, bon, ça va. Théoriquement, on est censé bouger. Remonte, je. Aïe. Donc là, le last stand qui va jouer. Pas suffisamment de vie à mon goût, mais tant pis. On va en mettre un du coup. Ici. On continue de faire mal à celui-là. Il y a moyen que le poison finisse du coup. Aïe aïe aïe, là on fait pas suffisamment de dégâts. Hein. Ici on pourrait sauter sur lui ou sauter sur lui. On va sauter sur lui. Ça il est engagé. Bon lui il se pointe pour l'instant, c'est pas encore un danger, mais Ortuk va commencer à sacrément souffrir par contre. On a plus malheureusement, on a rien d'autre. Alors là. Je suis désolé, on va marcher là-dedans, mais faut qu'on aille se coller à eux, mais on peut malheureusement pas taper. Ça va les forcer à bouger. Dernier Angel Pact. Heureusement, on regagne de la vie. On continue de taper et on a débloqué un Last Stand. Non, malheureusement non. Un Réjuvénation. Ici, on y va. Hop, on met des tatanes. Hop là, un coup critique. Ah, le seigneur qui le tue comme prévu. Ok, lui il panique, encore mieux. Lui essaye de s'en aller. Oh là là, il va réussir à s'en aller l'enfoiré. Le petit fumier, j'ai envie de dire. Oui, on est empoisonné toujours. On peut pas tirer sur un tireur. On a un lifesteal strike qu'on va prendre. Et Ortuk va tomber, je pense. Hein. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même magnifiquement tanké, mais. Ouais. Oh pff, non, il se met à tirer sur quelqu'un d'autre. Ok, pourquoi pas. Bah, du coup. Qu'est-ce qu'on va faire? On a Erwan qui joue, on a Spam après. On pourrait finir celui-là. Ici, on va pouvoir faire un petit coup critique contre ce mec. Spam de son côté peut de nouveau taper et on va donc pouvoir écraser cette petite crotte. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et là, malheureusement, Ortuk qui tombe. Il aura tenu quand même vraiment, vraiment bien, bien la ligne. Hein. Et là, le problème, c'est lui qui arrive derrière et c'est nos tireurs qui sont en frontal. Donc, il va falloir qu'on échange un peu les positions. Fais des coups critiques, s'il te plaît. Hein. Faut buter ce con avec sa life regen. Là. Alors, ici on se barre. Faudrait que je me barre. Par ici, mais en marchant dans la lave. Tu vas jusqu'où toi? Il va loin ce con. Il va loin, il va loin. Et si je vais ici, ça sert à rien. Bon, par contre, ce que je peux faire, c'est simplement lui poser un piège dessus. Voilà, comme ça, il va s'arrêter. En attendant, on bute son pote. Oh l'enfoiré, il a fait le tour. C'est abusé. Ouais, faut qu'on continue de le buter lui. La photo. Non. Ici, attends, je peux pas passer malheureusement. Tant pis, on va le tuer. Ah.
panique toujours lui? Non, il panique plus. Du coup, il va être désagréable. Bah ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller swapper avec lui. Commencer à faire mal à ce con. Life Regen totalement dramatique par contre une fois de plus. Mais on a tellement d'attaques, c'est monstrueux. Ici on pourrait sauter du coup vu que lui est de toute façon mort hein, et taper sur ce petit cornio. Voilà. Ah, il se défend. Alors, on va mettre un petit tir sur celui-là, comme ça je suis sûr de le terminer avec Chobiti. Et on a un nouveau MN shot. Ah ben, parfait, on va endommager lui. Ici, on finit ce mec. On avait gagné un extra hit, mais c'était pas forcément assuré, donc du coup, obligé de faire gaffe. Gwakar il va largement gérer, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un coup critique et on va aller taper sur ce mec. Boum, 632 dégâts. Un Gwakar qui aime beaucoup son épée en viridium, hein. Ça lui fait bien plaisir visiblement. Ici on va rester là tranquillement. De toute façon on a le last stand qui nous protège, donc c'est pas non plus trop grave. Là on va se déplacer et se reposer. Et ici on va pouvoir mettre un dernier petit carreau pour en terminer avec cette bataille. Bon bah ça s'est mieux passé qu'attendu. On a Yortuk qui est tombé, mais bon, malheureusement au bout d'un moment hein, il a quand même vraiment très bien tenu. Ah, on a gagné des flesh eater, des fists, ça c'est cool, blood drinker. Si la cible est en train de saigner, on lui vole sa vie. Une petite naturelle résistance aussi. Et ça c'est quoi? Ah si, ouais, c'est moins grave. Je pense qu'on va prendre un flesh eater pour essayer d'améliorer un peu les nôtres. Ah, et on a eux qui viennent, parfait, je vais m'en occuper après. On n'a plus de médecine, mais on va bientôt pouvoir en faire puisque ce village nous donne du blood, ce qui est parfait. Alors, qui c'est qui avait un flesh eater? C'est toi. Et on voit bien que... Ah non, pardon, c'est pas le bon. Ça c'est un fist, nous c'est un flesh eater qu'on veut. Voilà, c'est toi qui avais un flesh eater, parfait. 3% de damage, 22% de heal, 7% de bonus damage. On prend, voilà, parfait. On a des petits niveaux ici, alors on va te remettre un peu de dégâts et un peu de stamina pour compenser ton man splitter. Ici on va te mettre full vie, qui mine de rien, tu prends quand même assez cher, toujours une bonne cible. Hein. Yortuk, on le met en réserve. On va faire tomber les mutators de ceux qui ne sont pas dans le battle roster. Classé par mutator, et ensuite on a qui qu'on pourrait mettre? On pourrait réengager Nathan, qui a quand même un assez important retard de niveau. Alors on enlève un tank pour mettre Nathan, hein. C'est pas forcément fou, mais t'as plus quick reflex toi? Ouais, c'est une erreur, pourquoi tu n'as plus quick reflex? Reprends quick reflex, spam. C'est un oubli de ma part. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Leashing Critical, Light Food, donc ça ne sert à rien. Improvisor, ça sert à rien. Critical Counter Strike, bon, du coup on va prendre probablement ces 3 là. Vol de la vie sur des critiques, on met du saignement et en plus on met des coups critiques en contre-attaque. Vu qu'il a beaucoup de stamina, il peut faire pas mal de contre-attaques. Ça me paraît pas mal. On prend. Et ensuite il faut qu'on fouille. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la Legendary Silver Big Axe. Ouh, et ben c'est parfait.
105 de dommages, armure shatter 313%, 2 vilpax. Quand on reçoit un coup qui est censé nous tuer, l'attaquant est tué. C'est énorme ce truc. L'attaquant peut résister aux dommages, mais en gros, au lieu de se faire tuer, c'est l'attaquant qui meurt. Ah bah on va la filer à Bubok, tiens, ça c'est une très très bonne hache ça. On va pas la filer à Spam, il va jamais se prendre des... Il va jamais se prendre des coups qui vont le tuer de toute façon. Ah c'est énorme ce truc quoi. Très 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 bonne hache. Ok, mais du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter cet épisode là. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.